réussit pas à le retrouver. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons des hélicoptères. Nous avons aussi des missiles. Et nous n'arrivons à rien. Nous sommes aujourd'hui à l'âge du nucléaire. Et nous sommes malgré tout incapables de retrouver ce maudit criminel. Écoutez, monsieur Timmons, nous faisons du mieux que nous pouvons, mais nous ne savons pas trop où chercher. Il y a tellement d'endroits où il pourrait se cacher. Je vais vous dire quelque chose. Si jamais nous ne retrouvons pas cet homme, je vous tiendrai pour personnellement responsable. Alors j'espère que vous en tiendrez compte. Je vous promets de tenir parole, mais maintenant, à vous de voir si vous avez envie de vous remuer un peu. Calmez-vous, monsieur Timmons. Qui c'est celui-là? Moi, je suis l'homme qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il est déguisé? Je ne suis pas déguisé. Je sais que vous êtes à la recherche de quelqu'un. Et je suis l'homme qui peut le retrouver. Je suis un chasseur de plumes. C'est exact, monsieur Timmons. C'est le meilleur. Il n'y en a qu'un qui pourra retrouver votre homme, et c'est lui. Mais alors, s'il est aussi fort, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait appel à lui avant? Je ne suis pas bon marché. Je veux que la prime soit définie à l'avance. Quel genre de prime est-ce que vous voulez, jeune homme? $5,000, et je vous ramènerai votre homme sans faute. Je peux également le tuer. Ça, c'est comme vous voulez. Eh bien, je crois que... ce serait peut-être... embarrassant. Je peux invoquer la légitime défense et mentir au juge. Mais ça vous coûtera $10,000. Ah, il est pitié. J'aime ça. Au diable avarice. Des heures qu'on est ici, il n'est toujours pas venu. Il va venir. Si ça se trouve, il n'arrivera pas jusqu'à la plage. Chut, ne dites pas ça, soyez patiente. D'après ce que j'ai entendu à la radio, ils ont perdu sa trace il y a quelques heures. Et là, il fait nuit, alors ils vont arrêter les recherches. Continuez à surveiller, moi je retourne à la radio. Si jamais j'entends qu'il a été capturé, ils auront affaire à moi. Mais que ferez-vous? J'en sais rien encore, j'aviserai en temps et heure. Mais s'il l'attrape... ils le regretteront amèrement. N'aie pas peur. Je sais que tu es fatigué, mais il va falloir qu'on s'en aille. Si on reste ici, il risque de nous retrouver. Allez, viens, on s'en va.